Yo, aujourd'hui on va se faire Okami. C'est pas du tout ce que je voulais dire. Aujourd'hui on va jouer à Okami. Et pourquoi vous me direz? Bah parce que j'ai le jeu, pourquoi tu veux que je tourne une vidéo dessus si j'ai pas de jeu? T'es con? Et aussi parce que ça fait un moment que je devais jouer. Hein. Le jeu j'ai depuis Noël 2018, je l'ai jamais ouvert, j'ai jamais... La preuve, il y a encore le prix dessus. On l'a pris d'occasion. Et ce qui est bien, c'est que c'est la boîte japonaise. Donc je ne comprends pas ce qu'il y a d'écrit dessus. C'est génial. Exadrive. Il y a du son, hein. Il n'y a pas de son. Je sais pas, j'entends pas. Il y a du son. Je vous permets d'utiliser commande par mouvement pour manipuler le pinceau céleste ou pêcher. On peut pêcher. Ouais, bon, bah attends, du coup, faut que je prenne mes dragons. Il y a très longtemps. Et du coup, je dois prendre mes dragons. J'étais dans le Nippon ancien, un petit village du nom de Kamikiki. Kamiki. Bon, c'est mieux Kamikiki. Hein. Les habitants vivaient sous la tyrannie d'un terrifiant dragon. Une nuit, un loup apparut et lutta héroïquement pour protéger le village. À l'aide des esprits de la nature, il vaincut la monstrueuse créature. Oh, t'as vu, ça rime. Le loup blanc bannit les ténèbres et grâce à son courage... Il n'y a pas de fin. Une nouvelle ère de paix rayonna sur tout le pays. Ce loup noble, aimé et respecté de tous, fut connu sous le nom de... De Kiki. Quel beau nom. Oh, il peut faire des sauts comme Mario. C'est Mario version Fury. Et du coup, il était connu sous quel nom? Silver Montagne. Voilà. Donc, nouveau jeu. Allez. Elles sont où, les lolis? D'accord, bon. Et des pétales de rose. Il y a longtemps, très longtemps, mais on l'a déjà vu. Dans le Nippon. Mais j'ai déjà vu tout ça. Vous me le mettez une deuxième fois. Voilà, je me suis fait douiller. Cependant, Kamiki recelait également de sombres traditions. Ah non, on l'avait pas vu en fait. Pour satisfaire l'appétit d'Orochi, le légendaire dragon, une jeune fille devait être sacrifiée lors de la cérémonie annuelle du village. Oh bah c'est sympa ça, dit donc. Le corps de la bête était grand comme une montagne et ses yeux injectés de sang maudissaient ceux qui croisaient son regard. Aucun être n'osait résister à ce monde. Ouais, alors c'est pas que c'est pas intéressant, mais c'est un peu trop long et ça casse le rythme de la vidéo. Alors, elle est disponible juste là, sans montage par contre. Hein, sans montage, je répète plusieurs fois les trucs, c'est chiant, mais c'est rigolo des fois, donc c'est pas quand même bien. Voilà. Alors, pour résumer, en fait, il y avait un méchant dragon qui mangeait des jeunes filles. Du coup, il y a Jean-Michel qui allait les combattre. Jean-Michel, il a failli mourir, sauf que heureusement, il y a Loup Blanc qui est venu le sauver. Et Loup Blanc, il a bien combattu, mais il a failli crever. Heureusement, Jean-Michel l'a sauvé juste à temps. Le dragon à du tête, il est mort. Et quand même, le loup, il est mort juste à la fin du combat. Et du coup, le village, ils ont fait une statue pour le loup. Voilà. Cette épée, est-ce l'épée légendaire? Est-ce Tsukuyomi, l'épée de la lune? La lame qui a vaincu le redoutable Orochimaru. Non, c'est impossible. Mais si, c'est possible avec la carte Kiwi. Ce n'est qu'une vieille légende, un conte à dormir debout. Oh, il a froid. Et ben voilà, il a fait une connerie, forcément. Oh, il a un casque. Me voilà prêt à affronter le monde, moi, samouraï. Oh, toi qui désires le pouvoir, toi qui as brisé mes chaînes, je veux un monde de ténèbres. Et pourquoi? Parce que je suis le méchant. Répète cette prière avec moi, libère enfin mon pouvoir. Sa silhouette me fait penser à Thierry. Voilà, c'est tout. Oh ah oh
Une tragédie sans précédent frappa le pays. Mais c'est un livre animé ou c'est quoi ce truc? Cependant, un petit village semble avoir échappé à cette malédiction. C'était le village d'Astérix qui est protégé par le pouvoir d'un cerisier divin. C'est pas le loup? Du coup, c'est un arbre, le héros, c'est ça? C'est ici que commence notre véritable aventure. C'est Jésus! Quel malheur! Elle dit ça avec un grand sourire, tu sais. Oh, quel malheur! L'ancienne prophétie s'est réalisée. Que s'est-il passé pour qu'une telle calamité soit arrivée? Nous devons agir vite. Le temps presse. Mes pouvoirs ont grandement diminué pendant ces longues années passées à protéger ce village. Il ne me reste plus beaucoup de temps à vivre dans ce monde. Il y a du bruit en arrière-plan, j'espère que vous ne l'entendrez pas. Amaterasu, le moment est venu. Jamais nous n'avons eu autant besoin de toi. Que ta lumière divine purifie ce monde souillé par le mal. Laisse tes rayons de soleil nous guider vers l'espoir. C'est l'espoir. Hein. Oh, voilà. Un joli loup. Okami Amaterasu. D'accord. À quelle lumière divine, tant de beauté et de grâce. Seule Amaterasu, la déesse du soleil et notre mère à tous, est capable d'un tel enchantement. Quel bonheur de retrouver celle qui s'est sacrifiée pour bannir le grand démon il y a tant d'années. Oh Amaterasu, te revoir renaître de cette statue après tout ce temps remplit mon cœur de joie. Sniff. Ils sont emballés, quoi. Mais j'en ai rien à foutre des Japonais et de leurs compliments. Amaterasu, regarde autour de toi et vois ce qu'il est advenu de ton ciel. Depuis ton départ, nos terres ont succombé à l'invasion des yokai. Ah, on va jouer à Yokai Watch du coup. Bon bah voilà. Je pourrais le mettre dans les tags. Jusqu'à ce jour, jamais le danger n'a été si grand. Oh Amaterasu, déesse du soleil, bannis les ténèbres de ta lumière divine et châtie ceux qui nous font souffrir. Oh, qu'est-ce? Qu'est-ce que... Oh, qu'est-ce qui se passe, dis donc? Quelque chose me chatouille à l'intérieur de mon kimono. Eh, hey, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, calme-toi, hein. Ma chaîne, c'est une chaîne tout publique. Ouf, partout les camis. Encore toi? Aïe aïe aïe, ça va pas non? T'es pas si bien roulé que ça. Alors pas la peine d'en faire tout un plat, hein. J'essaie juste de pimenter un peu plus sa conversation. Ah oui, parce que c'est vrai qu'on se fait chier là quand même, ça. Ça fait 20 minutes que ça, que j'ai commencé à filmer là-haut. Faisais-tu encore la sieste dans mes vêtements? Petite puce, je t'ai dit 1000 fois de ne pas m'appeler comme ça. Je suis un artiste errant. Je m'appelle Isun. Rentre-toi ça dans la tête. Je vais te montrer comme fabuleux je suis. Et tu ne vas pas mettre longtemps avant de t'incliner devant la technique de mon pinceau. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Plus mignonne que l'original, hein? C'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a, boule de poil? Tu as le cafard? Ça y est! Tu es la réplique exacte de la statue de Shiranui. Ah, pu. Bon, bah, c'était bien. Hé, hey, qu'est-ce que tu fais? Il te manque une case ou quoi? Tu m'as recouvert de bave. Tu vas regretter d'avoir provoqué la colère du grand Isun. Tu m'obliges à utiliser Denko Maru. Apprête-toi à le regretter. D'où vient ce hurlement? Et puis, pourquoi fait-il si sombre? Oh, grande déesse Amaterasu, j'ai utilisé tout mon pouvoir pour protéger le village de Kamiki. Les esprits des villageois sont enfermés dans ce fruit. Fais-le tomber et le village renaîtra. Seuls tes pouvoirs divins pourront redonner vie à ce monde. L'arbre est redevenu comme avant. Ça doit être ce fruit. Sakuya a dit qu'il fallait le couper pour faire renaître le village. C'est sacrément haut. Si tu n'utilises pas une sorte de pouvoir spécial, jamais tu n'y arriveras. Et pourquoi il fait si noir ici? Je suppose qu'un tas de choses peut arriver pendant une sieste. Ah bah oui. C'est bon! C'est bon, je joue au jeu! Ouais! Bah c'est la fin de cette vidéo! Vous savez, au départ j'étais pas sérieux. Hein. Quoi? Au départ.
dans le prochain épisode, dans 2-3 semaines, découvrez le Tuto.